Salut à tous, c'est Steven et vous le savez, l'une des nouveautés d'iOS 7, ça a été l'introduction des fonds d'écran dynamiques que vous retrouvez ici et qui vont bouger lorsque vous déplacez votre iPhone. De base, ici on en voit seulement 7 alors qu'en réalité il y en a beaucoup plus, donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui Hidden Wallpapers, un tweak que vous retrouvez gratuitement sur Cydia, sur la source de Big Boss, et qui va vous permettre de faire apparaître des fonds d'écran cachés dans les réglages d'iOS. Donc une fois installé, si vous retournez dans les réglages, dans la section des fonds d'écran et dans les fonds d'écran dynamiques, vous voyez que si on descend, eh bien on a beaucoup plus de fonds d'écran que tout à l'heure. On en a maintenant 12, donc 5 de plus qui étaient cachés, je sais pas pourquoi Apple ne les autorise pas nativement, en tout cas ils sont bien là, on a par exemple le bleu ou encore le jaune ici. Donc celui-là, je sais pas trop ce que vous en pensez, moi je le trouve pas vraiment joli, c'est pas un fond d'écran que j'utiliserais. Ensuite, on a le rose, donc ça peut vraiment être sympa en fonction du thème que vous utilisez de piocher parmi ces nouveaux fonds d'écran dynamiques que vous avez là. Le rouge bien vif peut être intéressant à utiliser, mais le meilleur, celui que je trouve le plus joli, c'est le dernier, le noir, avec les bulles de couleur, celui-ci, regardez. Donc il est vraiment cool et c'est super dommage qu'Apple ne le propose pas nativement. Vous ne pouvez pas le voir dans les réglages sans utiliser ce tweak, donc c'est vraiment dommage. Mais maintenant, vous savez comment faire, donc regardez, là je l'ai appliqué sur mon écran de verrouillage et voilà ce que ça donne. Vous aurez toutes les petites bulles de couleur comme ça qui vont se déplacer en fonction de l'orientation de votre iPhone, donc c'est vraiment super joli. Donc voilà pour cette petite astuce qui vous explique comment avoir nativement 12 fonds d'écran dynamiques dans les réglages d'iOS grâce à ce tweak Hidden Wallpapers. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut !